Très bien. Cette question. Dimanche, j'ai Dimanche, été voir les 100 ans du jazz. ah oui. T'as envoyé un message, t'as vu, avec tous les participants, t'as eu le message. T'as vu, il a fait Ah, tellement 3 heures de spectacle. C'était génial. magnifique. Ah ouais, plusieurs styles de jazz en plus. Ouais, c'est chouette. Il y Enfin, si avait vous tous aimez les le morts jazz. qui passaient, de Louis Armstrong, enfin tous les grands, ils sont passés, c'était bien. Ça, c'est Ah, la ça, c'est spéciale génial. amphi. Il y a aussi une soirée une fois par an, c'est au mois de décembre, à l'Olympia, qui s'appelle You and the Night and the Music, qui est sponsorisée par TSF Jazz. Et c'est pareil, c'est toute la nuit, quoi. C'est que du jazz toute la nuit, quoi. C'est vrai que c'est vachement sympa quand on a Ah. des vraies cultures. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a très longtemps, c'était pendant la Coupe du Monde de football, la fameuse coupe de finale de foot. Alors moi, je n'y connais absolument rien en sport. Mais bon, des fois, on me sort des noms de type. Ah ouais, mais moi, c'est des footballeurs. Mais non, c'est un rugbyman, du coup. C'est un rugbyman. Je ne connais absolument rien. Bon. Je sais qu'il y a, non, il y a deux frères dont je connais bien le nom en rugby, c'est Carbonneau, parce que c'est le même nom que moi. Mais je serais incapable de vous dire qui ils sont, pourquoi. Enfin, j'en sais rien du tout. Le sport, je ne m'y intéresse pas plus que ça. Un peu le billard, mais. Enfin, bref. Non, mais en tout cas, du coup, la Coupe du Monde de football, moi, je ne suis pas allé du tout pour ça. Enfin, moi, je savais qu'il y avait eu un match de football, mais franchement, je n'étais pas plus intéressé. C'est en 98. Et en fait, c'est extraordinaire parce que il y a des gens qui regardaient. Enfin, quand il y a eu la victoire des Français, il y a eu des rassemblements sur la grande place à Nice. J'étais à Nice, en fait, pour le festival de jazz de Nice. On voit les gens qui chantaient la Marseillaise, on a vraiment cru qu'on avait gagné la guerre. Il y avait des Anglais qui me serraient la main dans la rue en disant oh, bravo monsieur, on est très contents pour vous, vous avez gagné, etc. On a vraiment l'impression qu'on avait gagné une bataille ou je sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi ils me disent merci, moi je suis pour rien, c'est pas moi qui ai tapé dans le ballon. Enfin, bon. Et en fait, c'était absolument génial, non pas la Coupe du Monde de football, parce que franchement, j'ai toujours dit, moi je suis de ceux qui s'en foutent, mais le festival du jazz de Nice, absolument fabuleux, quoi. Et j'ai vu des pointures là-bas. Je suis allé que pour ça. J'ai entendu, c'est la radio. Ah, faut absolument j'achète mon billet. J'ai acheté mon passe 10 jours et j'ai vu de très, très grandes pointures. J'ai vu Lionel Hampton, le vieux raphoniste. J'ai vu Phil Collins, qui avait un big band de jazz à l'époque. J'ai vu Chuck Berry. Bon, c'était plutôt rock'n'roll quand même. J'ai vu Joe Cocker. J'ai vu, bon, Jacques McLaughlin, j'ai un peu moins aimé. J'ai découvert Diana Krall aussi, qui est chanteuse et pianiste de jazz. Il y a eu Michel Leeb aussi qui a fait un super spectacle de jazz swing en reprenant des chansons de Sinatra. Il y a eu vraiment plein, plein, plein d'artistes absolument extraordinaires. Claude Nougaro également. Yuri Buenaventura qui, quand, alors en plus, ils avaient trouvé le moyen le soir de la finale de mettre un écran géant avec la rediffusion du match de foot. Je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre que les gens viennent donc dans les arènes de Nice pour Oui. venir écouter du jazz et finalement ils sont là en train de regarder un match de foot. Bon, mais c'est vrai que regarder un truc qu'on aime, même si on regarde un film ou au cinéma et qu'on est à plusieurs et quand on aime un film comique ou quand on est au théâtre, on aime bien rire ensemble, etc. Donc je peux comprendre que regarder un match de foot ensemble, ce soit plaisant. Et le truc, c'est que quand on entendait c'est quelqu'un, enfin l'équipe de France avait marqué un but et Yuri Buenaventura a arrêté son concert parce qu'on entendait les cris, ça le gênait. Il disait, ah, je suis très content, enfin, je sais pas faire l'accent de son pays, mais très content pour vous, la France a gagné, je suis pour la France, il y a le concert, c'est assez bizarre. Bon, voilà, donc j'ai vraiment vu des très grosses pointures là-bas et j'ai absolument pas regretté. Michel Petrucciani également. Et non seulement il y avait le festival de jazz on et puis il y avait le festival off. Donc en fait, après, on allait dans les hôtels. Il y avait un hôtel où il y avait tous les artistes qui étaient logés. Et il y avait encore des concerts la nuit. Et un soir, j'étais avec un gars que j'avais rencontré, un Allemand que j'avais rencontré dans l'hôtel et qui était un grand fan de jazz aussi. Et on a vu Michel Petrucciani assis quelque part. J'ai dit, attends, je ne peux pas louper. Enfin, au moment où lui adresser la parole, ce gars-là, quoi, c'est un tel pianiste, Michel Petrucciani. Et c'est quelqu'un de très, très ouvert. Et du coup, on est allé le voir, on lui a offert une coupe de champagne. On a parlé avec lui, il n'arrêtait pas de faire des conneries. Enfin, bon, on était mort de rire avec lui. C'était vraiment quelqu'un de merveilleux, quoi. Et c'est ce que j'aime, c'est que bien souvent, enfin, chez les grands artistes, c'est souvent des gens assez accessibles, quoi, parce qu'on peut se dire, oh là, mon Dieu, je n'ose même pas lui adresser la parole. Voilà, je vais passer pourquoi. Et en fait, le gars est hyper content, quoi. Et bon, voilà. Donc, c'était vraiment, ça, c'est vraiment, si vous avez l'occasion de faire ça un jour, un festival comme ça, c'est vraiment un super moment, quoi. On a plein, plein, plein les oreilles, quoi. Mais c'est vraiment chouette. Bah, génial, je suis très heureux que tu apprécies le jazz à ce point. Et Ok. en parlant de sport en handball.
Il y a ton équipe de Saint-Gratien qui vient jouer contre Nancy. Ah bon? On va vous foutre la pâtée. Pas du tout. Non, mais, je m'intéresse pas au sport, mais je sais que l'équipe de handball de Saint-Gratien, mais c'est. En plus, dans l'équipe de handball de Saint-Gratien, il y a mon ancien kiné. Donc, voilà. Parce que je me suis cassé le bras il y a quelques années, et c'est lui qui m'a réparé. Il y a des vidéos. Vous pourrez voir sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos où je joue avec le bras en écharpe parce que je me suis cassé le bras. Et du coup, comme je joue d'habitude à la main gauche, après je me suis mis à jouer de la main droite. Donc, vous voyez, on peut jouer dans la position. Allez, je vous laisse parce qu'il est déjà très très tard et je ne voudrais pas que tout le monde s'endorme. C'est très rare qu'on fasse des vidéos aussi longues, mais bon, enfin voilà, il y avait un peu plus de monde, il y a plein de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup de votre participation, bravo pour votre motivation, continuez d'être aussi motivé, aussi enthousiaste pour l'harmonica. Et puis, écoutez, on se retrouve dans les ateliers pour ceux qui sont déjà dans la formation. Peut-être la vidéo du samedi midi, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui avaient été choisies, de chansons françaises qui ont été choisies, donc vidéo du samedi midi. Et puis le vlog du dimanche soir, voilà. Et nous, en tout cas, on se retrouve, je l'espère, mardi prochain pour une nouvelle séance d'Agora. Voilà, bonsoir à tous, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore dîné, bonne nuit pour les autres et à très vite.